Une autre fois, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caille ou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressés, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Coulier. Plusieurs policiers dans l'unité élite SWAT dans boy de mourir vendredi 12 mars là. Pendant une opération, police nationale d'Haïti mène en dans village de Dieu sous bicentenaire. PNH là perdit tout déblindé pendant intervention si là. Photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent une série d'actes criminels, une série d'images qui fait un pile tollé dans l'opinion publique là. Pour qu'on n'y ait aucune autorité responsable dans la police là pour qu'on communique officiellement sur le dossier si là. Et puis, le président de la République, là, Jovenel Moïse, déplorait les banditisme et assassinat qui fait sous plusieurs policiers dans le cadre d'opération La Police Cap mène dans le village de Dieu, vendredi 12 mars 2021. Chef de l'État a présenté sympathie par parents, familles, amis et collègues victimes. Le président Moïse, qui fait qu'on est Haïti, pas de une zone interdite, annoncé une disposition qu'il prend pour couper les brigandage, garantir la sécurité de la population et puis mettre la patte sous tout bandit qui a signé la trouble. En un pays, en côté déclaration. Nous connaissons que jeudi 12 mars, un gros bagage qui passe dans Port-au-Prince. La police qui a gommé avec les moyens que gagné pour mettre la population en sécurité, pour libérer la population en bas griffe, problème bandit. Et malheureusement, nous, frères, policiers, petits frères, qui tombaient dans l'opération. Je profite de l'occasion pour me dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousins, cousines, que côté Michita là, moi, je sens douleur même avec eux. Parce que ce n'est pas ça que je souhaitais pour un pays. Héritage que je t'ai aujourd'hui, c'est un héritage bandit. 35 ans après, le pays a entré dans l'ère démocratique. C'est une production de bandits. C'est une pire production que zone métropolitaine n'en baille. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour, on a crié policiers, nous. Frères, nous sommes dans l'opposition. Quel que soit ça, nous avons dit sous moi dans la radio, je vous aime tous. Je vous adore. Ça va jamais arriver. Parce que nous connaissons le pays, les besoins de nous. Parce que tout le monde dit ça, qu'on a tué les policiers. C'est pour nous d'accord que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Parce que nous avons gouverné, nous comprenons. Mais si nous mettons tête nous ensemble, nous avons mis tout vacabon dans le pays en déroute. Pas oublier vacabon en pile. Il y a vacabon qui n'a pas alimenté, nous n'avons pas l'argent, c'est vacabon. Il y a vacabon qui est habillé, qui met dans machine vite, dans bandit dans la machine vite teintée, c'est vacabon. Il y a vacabon qu'acheter des armes et des balles dans le pays étranger pour vous ici, c'est vacabon. Et puis plus de vacabon capturé, vacabon avec sapat. Et, je dis nous ça, il y a même tout qui est dans situation ça, je dis à eux en contravention avec la loi, c'est des victimes. Mais en contravention avec la loi, parce que vous tuez les policiers, parce que vous brûlez les machines policiers, parce que vous kidnappez les gens. Faut la loi, il y a une réponse proportionnelle à ça offert. Mais pas oublier, c'est victime. On ne peut pas battre dans 10 ans, 15 ans pour ne pas gagner mon gens encore. Non, yo, nous ne pas combien d'ans yo. Qui t'est arrivé, docteur, ingénieur, agronome, ça vous voulez. Son pays que nous construisons. Jean-Lier. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de courage. Il y a trois gens qui n'ont pas de courage dans le pays. Ou même qui cachent et réveillent ou sortent en procourir. Suspendez votre message, compliment moi. Mais pas besoin qu'on y a. D'une parler tout. D'une dire ça formal là. tout mentir à pas fond. Est-ce que mettez courant dans le pays son bail qui est mal, qui fait que EDH subit 5 attaques dans 5 mois? Est-ce que construire route dans le pays son bail qui est pas bon? Est-ce que construire barrage d'irrigation dans le pays son bail qui est pas bon? Est-ce que pomper de l'eau avec soleil son bail qui est pas bon? Construire l'école dans le pays son bail qui est pas bon? Est-ce que nous demandons pour nous tous citer ensemble pour nous rester dans ce pays à nous saluer? Est-ce que ça n'est pas bon? Majorité silencieuse arrivée. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, comme fini. Rangez comme nous. N'a privé son. Si nous conseillons nous, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit gens, n'a privé son nous. Parce que le pays a un bon président, pas j'en peur. Et qui pas lâche. Et qui donne tout le courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime derrière nous. Nous connaissons des réunions qu'on fait actuellement. Des stratégies qu'on mette. Vacabon, pas qu'à mettre nous en déroute. Pas de voir vous mettre carré dans le pays qui sont hommes de nos droits. Côté l'État, pas qu'à entrer là. Ça veut dire, monsieur, me dit nous ça. À tout ça, nous fait, là, nous perdu déjà. Nous sommes perdus. C'est sur les murs. Le travail route des amis de Flipoa a démarré samedi 13 mars, d'après le ministre TPTC, Nader Joiseus, dans le cadre d'une visite vendredi 12 mars, dans la zone. Plusieurs matériels déjà mobilisés pour faire travail, d'après le responsable TPTC. Aujourd'hui, un contrat finalisé. Certainement, tout le monde qui a un contrat en OBE, ça relève à Asphalt, maintenant. Pas qu'on ait un contrat qui est approuvé, mais qu'on parti qui est approuvé avec lui-même, commence à dire, et peuple des amis de là, que moi suis yo, commencer dès demain même. M'a commencé avec mise en place et tout venant de rivière. Et nous-mêmes, nous allons parler avec, Pimnan, c'est HL Construction Kabam en OBA, c'est un contrat qui signe. Et dès lundi, c'est la bam en OBA, dès lundi, moun et des amis de Pipo. Ils mettent qu'on est n'a commencé demain. Mais c'est pour un chantier qui a fait, même j'ai tout chantier. Son pente des zones 18%, 12%, 10%, ou pas qu'à venir mettre remblai là dedans comme ça. Si mettre remblai pour courir sorti, et bien la pluie tombe, on va venir remblai en bas et empêcher la circulation en fait. Avec beaucoup d'intelligence et n'a pas chanté ça. C'est pas autre que nous porter bourré pour la préparation. Et chaque fois préparer et pour tout couvrir la sorte, passer pente en raide. Sinon, on doit préparer un blé jeudi là et puis demain on va venir la pluie tomber, on perd tout ce faire. Non seulement on perd tout ce faire, il va causer problème plus bas. Et donc dès demain, on va commencer à préparer en 40 premiers mètres et puis lundi pour nous couvrir avec asphalte et puis même lundi après nous préparons l'autre 40 mètres. Une même commission communale Pétionville là, Amazon Starco, avec habitants zone là, salle visite responsable TPTC yo. Pendant que souhaité travail démarrer. Jeudi, donc, président, par rapport avec engagement de prend devant la population, il voyait ministre Nader pour capable essayer de faire route la pour population. Donc, moi-même, en tant que monde qui est dans la commission municipale mairie Pétionville, c'est moi qui représente là aujourd'hui, et c'est là que moi, c'est zone, moi, c'est là toute famille m'habite. Moi, fier, route la pour le faire, moi, content en pile, et maintenant, des gens qui sont dans la population, tout accompagnement nous. Nous parlons comme si dans litige violence, nous parlons quitter mon travail et nous-mêmes nous parlons accompagner dans tout ça pour faire pour la population. Président Jovenel pour confinement dal, rester encore 8 mois. Donc il y a travail pour lui faire encore et lui démontrer nous que c'est ça la fait jusqu'à la dernière minute. Ça le dit, il tapera le faire, la batte, la travail malgré vents et marées. Malgré a bloqué président là les mêmes pour le travail et l'a fait travail. Si le travail ça y entré dans quatre promesses campagne président République là d'après ministre Nader Joiseus. Dans quatre visites dans la commune Savanette, ministre Nader Joiseus chita parlé avec plusieurs notables dans la communauté a route flambée Savanette à route qui sorti Savanette pour bout sous frontière, c'est quelques parmi divers problèmes moun k'ap viv Savanette. Présenté comme priorité par le ministre TPTC. Nous soif en pile, population soif et ça en pile. Regardez, ça va être produit en pile et non pas question agriculture. bah manger. Mais manger ça en pile fois, il aurait été gaspillé. Parce que Savanette lui-même il fait business avec la République dominicaine, bah nous bah on produit avocat et on regarde des fois tous avocats nous produit c'est vrai, mais aurait été gaspillé à cause de accès route que nous pas gain. Et dans ce ça, comme président visiter nous et nous il y a pile volonté. Et par rapport à Jean, nous avons servi l'autre commune et l'autre département, nous sommes président, il y a pile volonté. Pas oublier, développement pas fait avec un seul monde. Et si chaque Haïti, chaque autorité, était conscient, sous ligne que le président Jovenel Moïse, il était fonctionnel ensemble avec nous, d'après le pays d'Haïti, il a besoin plus de bagailles. Alors, le président est venu ici, il te promet nos routes. Nous, par rapport avec l'instabilité politique qui pagaille chaque fois, nous dans la rue, opposition, et politique traditionnelle dans la rue, a fait pile des autres, cause de venir ralentir, et le président sous cousli. Mais, dans ce mandat là, et la population Savanette là, même nous soif que, même si j'ai présenté pour maintenant les babas nos routes, mais ils ont boucané tant bouillir la fait nous bien pile. Ministre Nader Joiseus, avec directeur TPTC Centre, Jean-Vernal Alexis, dit qu'on prend le travail pour satisfaire les revendications de la population. Route Savanette là, depuis qu'on est entré là-dedans, nous quittons route et l'Ascao Bassa, à partir des plans de rentrée Savanette, on paquet traversé, on paquet de l'eau traversée, il faut nous rectifier. Donc, nous garantis que côté nous allons traiter point critique dans la route et flander pour arriver à Savanette là. Nous parlons de route Savanette pour arriver dans la frontière là qui 11 km. Donc, nous avons un bulldozer pour eux, nous avons une excavatrice pour eux. Nous là, nous arrivons à faire à cheval là tout. Les dit depuis que mauvais temps, moun Savanette presque pas venu dans la ville là, c'est pour courir pour l'eau ça n'a pas de problème. D'après comment nous sommes capables à partir des bulldozers à tout excavatrice, rectifier l'île et rivière là et protéger Béja, ballon indignement pour capable respecter l'île. Et nous avons continué de travailler à Mounio, nous avons un problème courant, nous parlons non, il y a un bassin là à côté, nous avons mis un turbine sous l'île, côté études là déjà fait déjà, et nous avons cherché l'île, côté nous avons fait un micro-réseau pour eux, et puis nous avons connecté là avec le système solaire là. Donc pour eux qui ça, mon Savanette Kajoun n'a tiré ça. Moi, dois collaborer juste pour nous porter service dans la population, quel que soit côté qui a besoin. Maintenant, c'est rôle nous, c'est faire intervention dans tous les travaux d'infrastructure, de façon pour nous faciliter l'accès pour la population capable de circuler sans problème. Fin mois mars cap vini là, c'est période ça responsable TPTC yo annoncé travail sur route Savanette yo a démarré. Visite ça té occasion pour ministre TPTC Nader Joiseus chita parler avec membre comité cap gérer 300 ans existence commune en Savo. Besoin ville là ak l'autre problème commune ça a fait face té nan mitan discussion yo. Li men li mi un projecteur sur en Savonette. Une ancienne ville de la République li pa ka disparaître dans cadre géographie pays a. Ministre en activité génératrice de revenus à haute intensité de main-d'œuvre pour ne pas fêter 300 ans, n'importe qui gens, pour gagner 3 gouttes dans la poche pour fêter 300 ans. Parce que vous êtes fiers, l'audience en Savo aussi, vous êtes fiers d'être en Sablé. Et en pile diaspora en Savo, sorti pour débarquer et nous connaissons depuis le pays, donc pile sécurité avec effort gouvernement fait pour payer bien sécurité, pour rentrer dans une ville 300 ans. Et ministre, nous tout profiter d'eux en tant que président du comité quota. C'est pour présent dans 300 ans. Et bien, je vous dis à ces démarches qui permettent notamment que le ministre des Travaux publics ensemble avec nous, dans le cadre d'activités pour route, petite rivière en Savoie, viennent en réalité. Nous disons merci, ministre, parce que vous venez là. Nous disons merci encore, parce que peut-être en Savoie, vous avez besoin de présence, vous avez besoin en confiance. Parce que nous n'avons pas de camétéo en confiance à 100%, mais là, on dit à 80% de nos confiance qui est établie. On savait qu'on va le fêter 300 ans. Donc 300 ans, donc par rapport avec ça, ça va représenter dans l'histoire du pays d'Haïti. Donc nous ne pouvons pas supposer là toujours. Mais quand même, nous prenons bien les constitutions pour commencer. Juste qu'on les pour seul la fête, on les proposer bloc et on les pour vivre dans nos niveaux pour nous capables de vivre. Donc nous remercions. Et tout le monde a mis les mains d'une façon que pour nous capables changer ce qu'on finit en Savoie. Ministre Nader Joiseus, directeur départemental TPTC Niplan, dit qu'on prend note et puis promettre qu'on va le travail pour faire route sur rivière en Savoie. Nous bénis suivant recommandation président, l'autre président, nous garder ça qui pour faire en Savoie nous avons fêté 300 ans belle. Et nous venons là, nous venons. Et puis, dans le bout là, nous commençons à descendre, nous évaluons le travail, et nous entrons dans la ville là. Et pour nous venir parler là, nous rencontrons avec jeunesse là, qui a même déléance avec notre l'eau dans le pays. Quand il y a un problème route là, et a priori, c'est pour lui qu'on aime deviner. Dans 10 jours, et collègue moi bois vert, hier, moi j'ai un petit parler avec lui. Il te dit, nous allons faire un virement sous compte plusieurs directeurs départementaux, dont directeur départemental Niplan et directeur départemental et Sudlan, parce que c'est dans le Sud qu'on apprend à sa plan. Et pour me faire un jumelage, c'est-à-dire développer une synergie entre NIP et Sud pour nous gagner un OBA pour nous faire route. Est-ce que nous avons fait toutes 12 km route là? Je suis gourmand pour ça. En ce qui est à la construction d'une petite rivière, en Savoie, que nous avons qui gros préoccupations là, nous gardons bien ensemble, c'est environ 12,7 km. Globalement, le coût de fondation, il y a 70%. Nous avons bien côté que nous avons bien pu faire, nous avons pu faire pour traiter. Après ça, c'est pour nous mettre couche de base pour aller. Mais, il y a une autre question, nous gagnons des travaux, et, par exemple des travaux de drainage pour nous faire dans quelques zones qui ont besoin, nécessité, il faut se rassurer, ou de traverser, nous gagnons plusieurs traversées pour nous faire, et puis nous gagnons côté pour nous faire des minéraux, de stockement, parce que nous avons que nous l'avons coupé, des barres comme ça, ça pour adresser toute bagaille ça. 26 juillet, Cap-Vini là, c'est à fête Sainte-Anne, Saint-Patron, commune en Savo. Autorité fait qu'on est, il y a plein de dispositions pour permettre la population de célébrer 300 l'année dans de bonnes conditions. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui est rénové complètement grâce à l'appui de NEP, Programme National des Nations Unies pour le Développement, et assisté de BINU, qui est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. C'est grâce à support et à financement qui fait que le travail, ça, lui-même, nous devons concrétiser aujourd'hui. La situation est relativement calme au niveau du département de NIP, grâce à une synergie qui est créée entre la justice et la police. Le travail a continué, la population est satisfaite de ce qui est réalisé pendant la dernière année. Le travail a continué. Démarche administration, le président Jovenel Moïse a fait pour établir 24 sur 24 dans tout le pays, provoquer un pile contentement dans la population au Cap. Dans Sainte-Philomène, président Jovenel Moïse lance travail réhabilitation centrale EDH là qui n'a pas fonctionné depuis 14 l'année. Centrale ça qui t'a fourni 3 MW courant seulement, les lap marché pral passer à 10,2 MW courant. Le 6 mai. C'est comme ça m'a venu dans centrale là. Pour me le mettre, pour au Cap Vingé, 10,2 MW en plus. Centrale en bas, 12,6 MW. Notre travail, directeur départemental là, pour nous réparer, maximum pour nous réparer. Je dis à vous, combien de groupes nous gagnons dans marché? Nous gagnons 4 groupes qui marché sur 8, et notre travail pour réparer l'autre 4, notre travail. Sur 8 groupes, il y a 4 cap marchés. Ça va faire nous en tout. Au cap par une disponibilité de 22 MW en tout. Dans le département Nord, il y a une série de projets, un chantier qui est presque fini. Parmi eux, barrage sur rivière La Tannerie avec barrage Marion. Comme ça, tout, le président Jovenel Moïse dit qu'il y a plusieurs routes dans le département qui doivent construire avant l'année ça a fini. Pour constituer en fait, pour les sélections construites, pour courir avec la verrière, pour l'irrigation, oui, inauguré, avec trois barrages après. L'après barrage Marion, l'avait inauguré le 1er mai, l'après barrage sur le rivière du Nord, barrage La Tannerie, t'as inauguré le marché, et puis l'après barrage sur le rivière La Sac, dans la mer, qui était dans Barabao, changé depuis le rang de président, nous devons avoir un malade travail. Barabao s'est construit, études le fini, travail commence à faire à partir du mois d'avril. Une fois encore, chef l'État a demandé à la population d'arrêter tête frette pour éviter projet qu'a réalisé là yo pas camper dans route. Gagne une frange dans opposition politique là ak dans société civile là qui pa vle élection rive fête dans pays là pour renouveler personnel politique yo dans pouvoir l'état yo. Yo a fait promotion transition pour être capable de continuer finir avec tirer ça qui était pour le peuple là. Opposition politique là, avec une frange dans la société civile là, décider mobiliser sous faux prétexte pour combattre dictature, mais c'est plutôt un objectif pour empêcher le pays à gagner une autre constitution. Parce que la constitution 1987 là, c'est le seul moyen de gagner pour que le pays a dans instabilité politique, instabilité économique et instabilité sociale. Et pour continuer que le peuple haïtien dans l'insécurité, kidnapping et pauvreté. Dans la même optique, ça, parti plan pas profiter occasion ça pour nous dénoncer comment la Constitution 1987 là, version amendée, violée droit femme haïtienne côté dans l'article 17.1, législateur fixe quota pour femmes intégrer espace décisionnel pouvoir public à 30%. Ça, c'est une violation flagrante de la femme, alors que femme représentait plus que 52% de la population. L'OSPA, en tant qu'un parti politique qui a fait promotion, participation politique femmes, jeunes et handicapés, recommandé autorité l'État pour mettre un quota 45% en faveur femmes dans le projet nouvelle constitution. Parti plus pas quoi? Si femmes en tant que maman petite gagnent plus espace dans le pouvoir décisionnel, le peuple haïtien a sorti en bas insécurité, chômage et pauvreté. Au niveau du Conseil national là, qui fait monter, nous t'es toujours prôné un dialogue qui franc. Côté tout acteur pour mettre intérêt pays avant toute bagaille. Parce que toute expérience n'a tant été faite jour et jour, nous faisons déjà, et jour à mes côtés pays ailleurs. Presque tout le monde a envie de la caillou. Et même lors la caillou, ou par exemple, des menaces qui viennent joindre nous. Comme on comprend, au monde, chita la caillou, il n'est pas sorti. Et puis, au monde, il est dans le téléphone, il dit, bon, il y a l'argent pour me tout, oui, mais si il y a plus, je vais quitter en vie. Ça veut dire que même sous la caillou, pas en sécurité, le pays n'a pas arrivé plus bas que côté lié journée aujourd'hui. C'est ça que fait nous dire, faut gagner nous chita palais côté pour nous mettre une équipe gouvernementale qui effectivement qui tenir compte de tout le monde sans exclusion. Parce que des gens qui pavent la stabilité. Et stabilité a rangé un pile monde parce que c'est des lieux vives. Mais entre-temps, le peuple a mouru. Si le monde n'a pas apprendre l'école, il a perdu 2 ans déjà. Mais il est parti pour perdre 3e année. Est-ce que nous pourrons arrêter pour nous faire perdre 4e année? Pendant un pile monde qui est engagé dans la bataille, ça, petit tout à l'étranger. Petit a étudié normalement. Madame n'est pas là. Et comme vous prenez ici, c'est pour l'aller. Quand il y a long avion à rentrer ici, avion est presque entré vide. Mes amis, si c'est dirigeant nous, si c'est pour le pays à notre travail, si c'est pour le peuple à notre travail, qui ça qu'empêche nous mettre tête nous ensemble? c'est temps n'attend pour blanc venir avec un bout de bâton pour le faire nos chita. C'est ça Conseil national a prôné, n'a prôné un dialogue franc, un dialogue côté tout le monde respecter tout le monde, un dialogue côté ces pays effectivement qui a bénéficié de ce dialogue ça. Bonbonne oxygène, 30 brancards, thermomètre, kit, premiers soins, c'est quelques familles matériel médical, Fonds Nations Unies pour Timoun, UNICEF, délivré par le Centre Ambulancier National CAL. Équipement médical avec bureau Sayo, pour servir pour améliorer qualité soins près l'hôpital pour patients qui ont corona, avec l'autre qualité urgence, et puis renforcer et structure organisationnelle institution. Ces matériaux, équipements médicaux remis aujourd'hui permettront d'améliorer la qualité de la prise en charge préhospitalière des patients de la COVID et autres types d'urgence. Le matériel bureautique contribuera quant à lui à renforcer la structure plutôt organisationnelle du CAN, ce qui permettra d'éviter aussi de nombreux décès maternels et infantiles et de nombreux handicaps de longue durée. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure ces propos de circonstance sans remercier le ministère de la Santé publique et de la population pour sa détermination, le personnel du Centre ambulancier national pour son dévouement. Je voudrais également remercier USAID, OMTIA, notre généreux donateur pour son soutien habituel et continu. Enfin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, réitère son engagement aux côtés du ministère pour la santé de la population et le bien-être des enfants haïtiens. Directeur Canan remercie UNICEF pour support au bail accent ambulancier national d'après Didier Hérold-Louis et Sayo pour permettre responsable dans Cannes équipé ambulance. Cet apport, M. Maes, cet apport, Dr Garou, de matériel va nous aider à mieux équiper nos ambulances. Car si l'OIM, l'OPS, OMS et l'UNOPS nous aident pour la maintenance régulière, maintenance préventive de nos véhicules, la réparation des véhicules, nous avons grand besoin de matériel pour faire un rehaussement du niveau de ces ambulances. Et nous comprenons que le travail que nous faisons nécessite d'avoir l'outillage adapté et avec les 20 desktops qui ont été offerts, nous allons pouvoir en disposer dans les réseaux départementaux. Ces équipements sont les bienvenus. Au nom du Centre Ambulancier National, je vous présente nos plus chaleureux remerciements, M. Maes. Centre Ambulancier National CAN renouveler engagement pour continuer servir population 1 et puis renforcer service premiers soins à qui j'en suis. La CAI, la rue 2, dans le numéro 12, que tout le monde connaît, m'habite dans le quartier. Et je prends direction avenue Christophe. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas rue 2, c'est une rue qui est perpendiculaire à avenue Christophe. Et côté map sorti pour m'arriver sur avenue Christophe, c'est à peu près 60 mètres. Les m'arriver sous carrefour là, me camper pour me garder si pas une machine qui va venir avant d'aborder carrefour. Et me garder à gauche, pas une machine, et à droite, mon machine police qui va venir et venir croiser devant. Il bloqué, les machines presque collé avec moi dans le camping. Sans ne pas poser aucune question, il vide des armes sur la machine. Et par contre, vite, beaucoup de gens descendent. Alors l'autre vite est monté, mais vite, beaucoup de chauffeurs, moi-même qui t'a conduit, ils descendent. Il vide des armes, les armes tombent dans la machine. Au moment de la durée, je me dis, bon Dieu, je ne vais pas mourir dans la machine, je descends quand même. Je décide de glisser. Alors, il y a même côté policier a tiré. Je me sorti dans le bas panneau. Je m'ouvre légèrement, je glisse descendre à terre et je courir. À 25 mètres que je courir, je tombe, je fais une chute. Entre-temps, il y a une machine qui parquait, une petite machine rouge qui parquait dans la zone rue 2, je me couchais devant. Et en même temps, à quelques secondes près, il y a un voisin qui t'a gardé la barrière à Kaili. Maintenant, il ouvre légèrement, il fait un signe, je courir entre la Kaili. Et les montres la Kaeli, il dit, ah, Kaem gagne son Kaem bois. Alors, voisin Réli Sergo, que tout le monde a consulté, il en rue 2. Les dit, Kaem n'a pas trop de sécurité son Kaem bois, plutôt traverser, la femme traverser l'autre Kaem. les mêmes Kaïsa, barrière bail sur 8 évidemment, monter au mur, traverser dans Kaïsa. Et c'est de là, à côté de la Kaïla, je fais contact, je relais et chef sécurité ministère. Je dis, ah, mon grand danger, permettre la police vraiment de sauver mon demi. C'est ainsi que l'IDIM, il va faire contact avec la police, il relève quelques minutes après pour le dire, il parlait avec deux hauts gradés dans la police et il y a vu une côté, on l'autre moment. Et 20 minutes après, évidemment, le commissaire Mena relève, il dit, il a vu une côté, monsieur. Et pendant le temps, après, le commissaire a dit, après quelques minutes, nous finissons de parler, il dit, maintenant, il est dans le quartier. Il dit, est-ce que je suis sorti? Il dit, pourquoi tu finis d'arranger les choses? Évidemment, quelques temps après encore, il dit, je suis sorti et je parais devant, je suis entré, je fais le signe de la même, je dis, mais côté mieux. Il descend avec une machine police qui gagne 5 policiers là-dedans. Il a conduit, il a côté, il a sous-côté, moi-même dans la machine, et on l'autre policier. Mais comme on y a là, la machine n'a pas 5 devenus réduits à 4 parce qu'il y a intimé l'ordre à policier pour la prendre machine pendant pour le conduire vers le CPJ. Évidemment, il y a 2 policiers pour la machine pendant. Ils conduisent. Moi-même, j'étais avec 4 policiers dans la machine et l'autre backup qui accompagne. Nous, 3 machines. Machine là-dedans, prend devant. Machine pendant que le policier a conduit, il est en mi-temps. Et machine, l'autre machine police accompagne dans la DPTC. Et l'arrivée, pendant la machine, c'est là qu'on expliquer les policiers là. Et il y a un policier qui répond, il dit, oui, il est descendu. Mais par contre, je ne peux pas représenter une menace pour lui, il ne peut pas gagner la même, et il n'est pas occupé. Maintenant, le niveau de la DCPJ, je fais déclaration, je dis là, je prends note, je fais une déclaration MCN. Maintenant, il a passé combien de temps m'attend chef de CPJ a dit qu'il y a une réunion qui coûte que j'aime venir. Et l'aile venu, bon après ça, il change avec elle vers les 8 h du soir. Il dit que, bon, comme seule question le poser, il dit qui côté monde, qui côté ma travail, qui l'âge moins. Évidemment, je vais détailler ça parce que pour moi, je tape tant de travail, je dis qui ça policier dit, il reproche. Maintenant, après montrer la carrière, et jusqu'à présent, j'estime que mon grande insécurité est demandé aujourd'hui à justice pays pour faire lumière sur le drame. Association Paysan Bon Volonté dans la commune Kenskov remporté premier prix, 4e édition concours Combi de Changement, Fondation Digicel organisée chaque année. Deuxième gagnant, c'est l'école Saint-Pierre à travers un projet qui visait renforcer le laboratoire de l'école là. Directrice exécutive Fondation Digicel là, Sofia Trensky, profité présenter bilan 4e édition hein, vendredi 12 mars 2021. En juin 2020, nous étions en plein pandémie dans le pays que nous décidons que Fond lancer 4e édition quand même. Et nous pas regret parce que nous joignons 316 applications à travers l'édition ça. Donc, période qui était très difficile. Et nous traitons de ce ça et nous choisissons 64 projets pour deuxième phase. Côté, mon équipe Fondation Digicel, mon conseil, aller à travers le pays pour visiter 64 projets ça. Pour qui ça nous visite? C'est pour nous connaître est-ce que le projet vraiment répond à besoin communautaires. Et est-ce que l'organisation communautaire a capacité pour mettre les projets à sous pied? Eh bien, le choix n'est pas facile, mais de 64, nous sommes obligés de choisir 25 organisations. Et nous invitons 2 membres par organisation, venus pour au prince en janvier, pour qu'ils soient présentés devant le jury projet. Et depuis commencement mois de mars, nous avons marché à travers tout le pays pour nous faire final. Pour faciliter la réalisation du projet Sayo, Fondation Digicel remet à chaque gagnant un chèque 1 000 000 goud. Directeur opération compagnie Digicel, Jean-Philippe Boin, remercie les clients Digicel selon lui-même qui permettent la compagnie à joindre l'argent pour financer le concours. Et là, on a parlé de fondation, vous avez toujours songé et clients Digicel parce que pendant toute l'année, il y a plus que 75 000 $ américains qui investissent par fondation. Et ça, pas possible qui se passe pour le client du lycée. C'est à cause de consommation, c'est à cause de contribution que la Fondation a des possibilités pour que l'IFE accompagne dans différentes communautés. C'est en 2017, dans l'occasion de la célébration 10 l'année d'existence de la compagnie Digicel dans le pays d'Haïti, responsable compagnie ça mettait sous pied Fondation Digicel dans l'objectif pour renforcer tout projet qui visait le développement dans le pays. Espace et 500 jeunes filles ou garçons a bien possibilité de poursuivre le programme informatique ça pendant des mois sans ne pas payer un goud. Président directeur général CTFOA, Widmayer Dupéra, invité Sila qui fait pour Pipiti 9e année fondamentale pour inscrire dans le programme ça. C'est un programme spécial, bien spécifique, qui a duré 2 mois. Jeunes ont gagné environ 9 heures de temps de cours par semaine, qui sont capables de venir pendant 3 fois dans l'espace là. Il y a une période de temps pour venir faire pratique et pour venir suivre cours normalement. Pas gagner aucun frais d'entrée, ni frais mensuels, ni frais d'inscription pour payer. Il y a besoin seulement de passer réclamer un coupon de bourse dans cette info qui est dans 130 avenue Martin Luther King pour que vous soyez capable de venir inscrire dans le programme. C'est l'objectif ça nous là aujourd'hui. C'est pour nous faire appel à tout le monde dans la société, jeunes, entrepreneurs, responsables, écoliers, écolières. Tout le monde net dans la société a besoin de faire informatique et je découvre l'informatique vini pour résoudre le problème ça pendant le 14e anniversaire cette info. Donc nous invitons tout le monde à passer dans cette info, venir réclamer coupons qui permettent que vous bénéficiez du programme Boursa pendant 2 mois ensemble avec nous dans cette info. Et l'inscription a commencé le 22 mars, elle a fini le 29 mars. Donc il y a un intervalle d'une semaine pour passer, faire inscription et tout de suite après 29 mars, qu'on va commencer. Informatique, c'est un outil tout le monde besoin de maîtriser pour capable avancer dans quel que soit le domaine scientifique et professionnel. D'après Widmayer Dupéra, le programme ça entré dans le cadre de travail qu'a fait pour démocratiser l'informatique là dans le pays. Et année ça, les nous gardons précarité économique pays, situation socio-économique et politique pays, nous décidons. Là, c'est un programme spécial de formation gratuite que nous relais « Je découvre l'informatique ». C'est un programme qui a pour mission principale de démystifier et de démocratiser l'informatique. Nous connaissons très bien, jusqu'à présent, l'importance informatique de base gagnée dans toute formation, dans tout métier que un monde capable de gagner dans elle. S'il besoin d'un rendement qui est beaucoup plus professionnel, les besoins initiés en informatique. Et de jour en jour, l'informatique prend importance. Et comme ça, tout l'économie paysan a baissé, qui fait jusqu'à présent, la majorité des jeunes dans le pays n'ont pas vraiment de moyens, d'accès pour suivre un cours informatique. Sans technologie en informatique, cette info prend naissance 26 mars 2007. Tremblement terre 12 janvier 2010, là, te causé gros dégâts dans l'institution, côté pif au matériel l'école l'a écrasé. Grâce à ce que j'ai fait, responsables continuent de former plusieurs jeunes pour capables de participer dans le développement PIA, selon le président directeur général institution. Des campagnes d'éducation, d'information, de sensibilisation. D'abord que nous faisons dans l'école, parce que nous pensons que par rapport à problèmes moyens, financiers, matériels que nous gagnons, donc nous passons par l'école parce que nous connaissons qu'un élève éduqué, c'est une famille qui est éduquée, c'est un quartier qui est éduqué, et même c'est l'école là qui est éduquée. Donc pour nous-mêmes, nous voulons servir de l'élève comme émissaire, parce qu'il y a un problème que nous avons en Haïti, c'est surtout un problème que nous n'avons pas vraiment informé. Deuxième activité, c'est d'abord des contrôles réguliers que nous faisons dans les supermarchés, des vérifications, par exemple, que de prix, de concert avec des CI, pour garder effectivement que prix produit, en même temps prix et qualité produit. Nous faisons tout des vérifications métrologiques au niveau des pompes à essence pour nous voir est-ce que la quantité que nous avons dans les pompes, est-ce que c'est exact. Nous allons dans une entreprise en fait, de traitement et de vente d'eau dans les kiosques pour nous assurer que l'eau qui vend dans les kiosques, est-ce que nous répondons effectivement bactériologiquement, microbiologiquement, effectivement, irréprochable et physico-chimique, que c'est vraiment irréprochable. Donc, parce que le problème d'OA, son problème, effectivement, c'est des risques énormes. Nous faisons ça des audits d'entreprises, surtout les grandes entreprises, à regarder, pour regarder les conditions sanitaires. C'est-à-dire que, dans quelles conditions sanitaires que le produit que l'affaire a fait. nous baillons aussi bien des certificats de dédouanement, par exemple, comme des entendu déjà, soit fait farine, soit fait alcool, pour assurer effectivement que et farine, non, donc, ils répondent à des normes. Par exemple, tu as fait présence d'un produit cancérigène, normalement, tu as des tests qui font sur lui pour regarder effectivement la farine qui est importée, est-ce que même farine qui produit localement, est-ce qu'il n'y a pas de trace de ce produit cancérigène. Donc, pour alcool, là, c'est même bagaille tout. Donc, toute activité qu'on fait dans une direction de localité, c'est justement non logique pour nous faire promotion qualité et en même temps pour nous capables de protéger les consommateurs. 15 mars, c'est une journée qui est extrêmement importante de partout dans le monde. Parce que ces journées-là qui là au moins pour rappeler les consommateurs qu'ils ont des droits et des devoirs. Et en même temps, pour nous, en Haïti, pour au moins nous faire promotion des droits fondamentaux des consommateurs. Et nous encourager peut-être que tout consommateur qu'il faut faire valoir leurs droits. Dans la mesure où ça s'est lésé, venant dans le ministère là, notamment dans la direction de la localité, venir porter plainte pour nous faire suivi. Et en même temps, il faut une unité, il faut être solidaire. Il faut gagner implication sur la société civile là, à travers l'association consommateur, pour là, pour être capable de défendre les consommateurs par rapport peut-être à des dommages qu'ils ont subis. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.